Nous allons passer à la fin, à la synthèse de cette journée et j'invite tout de suite à mes côtés Fabienne Bourdet. Je rappelle que vous êtes directrice des sports au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Fabienne. Alors c'est toujours un petit peu compliqué hein, de réaliser une synthèse en temps réel, d'autant que je pense que, comme moi, vous avez pu observer la richesse de, à la fois des apports de la journée, des échanges et des questions qui ont pu être posées aux différents intervenants. Alors peut-être, rapidement, puisque la journée a été dense, je voudrais revenir peut-être sur... un petit peu sur ce temps de l'après-midi et puis apporter quelques éléments, non pas de conclusion, puisque je crois que chacun s'est accordé à dire que ce Grenelle était une étape et qu'il ne s'agissait pas d'engager un travail, mais de poursuivre le travail que nous avons collectivement engagé pour préparer ce temps du Grenelle. Alors cet après-midi, alors déjà évidemment ce matin, mais... cet après-midi, et en particulier dans la première table ronde, la qualité des emplois a été questionnée dans un contexte dont il a été rappelé qu'il était proche aujourd'hui du plein emploi, et dans un contexte où je me plais quand même aussi à rappeler que finalement la filière des métiers du sport, c'est une filière assez nouvelle, hein, et que finalement il n'y a qu'une vingtaine d'années, que finalement on est collectivement en train de structurer l'emploi sportif. Donc on a pu mesurer évidemment le chemin parcouru, mais aussi le travail qu'il nous reste collectivement à accomplir. On a pu voir, notamment dans le travail, dans la présentation d'Augustin ce matin, combien ces emplois pouvaient présenter aujourd'hui des fragilités, mais j'ai envie de dire pas que. Je pense qu'il y aurait aussi peut-être un petit écueil qui consisterait à me considérer que l'emploi sportif n'est que de l'emploi fragile. Je ne le pense pas, et d'ailleurs certains d'entre vous pourraient évidemment témoigner beaucoup mieux que moi. Et ces emplois, finalement, ils s'inscrivent dans un contexte qui est marqué par de multiples opportunités que les uns et les autres ont pu rappeler. Des opportunités puisque nous avons travaillé pour préparer ce Grenelle en interbranche. Donc c'est l'idée de montrer combien il peut y avoir dans un parcours professionnel des porosités qui doivent faciliter des parcours qui peuvent aller d'une activité d'encadrement à une activité dans le champ des entreprises sportives sur d'autres métiers que le métier de l'encadrement et que tout ça finalement pouvait renvoyer à des parcours qui ne sont pas que des parcours linéaires comme on a pu peut-être parfois trop le penser. C'est aussi un secteur qui est marqué par des opportunités dans un écosystème qui est encore à construire avec une vision prospective dont j'ai vraiment apprécié la manière dont ça a été présenté en début d'après-midi pour traverser finalement ensemble des transitions. Alors ces transitions, elles sont de nature diverse et en particulier je vais en citer une qui est la transition écologique. On sait aujourd'hui, et vous le savez, nous y travaillons là aussi en interministériel avec vous tous, on sait qu'aujourd'hui nous devons adapter les activités sportives à un certain nombre d'événements et que le réchauffement climatique va impacter l'organisation même des activités sportives. Et évidemment, ça ne doit pas être absent de la réflexion qu'on doit avoir sur les métiers de demain. Des opportunités aussi, parce que c'est l'occasion de mettre à profit la visibilité que vont donner les grands événements, Coupe du monde du rugby, Jeux olympiques et paralympiques, on l'a dit, et de s'appuyer sur la grande cause nationale 2024 pour renforcer la notoriété des métiers du sport. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'ils pâtissent parfois, et je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge collectivement sur la raison qui peut l'expliquer, hein, ou les raisons, qui pâtissent parfois d'une image qui est insuffisamment valorisée. Hein. Sport,
c'est synonyme de loisir dans l'inconscient collectif, loisir parce qu'on le pratique ou loisir parce qu'on le regarde, mais c'est aussi des compétences, des expertises, et c'est à nous de mieux les valoriser. C'est aussi en termes d'opportunités, et vous comprendrez que le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, que je représente ici en tant que directrice des sports, insiste là-dessus, c'est aussi l'occasion de valoriser le rôle éducatif du sport. C'est comment est-ce qu'on inscrit l'activité sportive dans un parcours éducatif complémentaire de l'école, parce que tous les acteurs qui sont ici, et je pense en particulier aux fédérations sportives, sont résolument des acteurs éducatifs et en soi justifient qu'on valorise aussi ces métiers-là. Mais c'est aussi une pluralité de métiers, on l'a vu, dans l'événementiel, dans le tourisme sportif, en matière de sport santé, etc. etc. Je pourrais poursuivre la liste, ce qui doit nous conduire à permettre aux professionnels de construire des carrières dans cette grande filière ou ces grandes filières du sport, en facilitant, là encore, les transversalités. Alors, on a vu cet après-midi en particulier, en complément des tables rondes qui se sont déroulées ce matin, qu'il y avait des solutions aussi pour répondre à ces grands enjeux, la VAE, Diagoriente et le passeport de compétences. Je ne reviens pas sur ce qui a été très bien présenté, et l'intérêt que j'y vois, c'est vraiment aussi, parce que je pense collectivement, je me disais en nous écoutant depuis ce matin, qu'on avait aussi à faire un effort, peut-être pour sortir un peu du jargon qui est celui des professionnels de l'emploi et de l'insertion et de la formation, pour embarquer avec nous un peu plus le grand public sur ces questions-là, et que ça passe sans doute par un peu la scénarisation de parcours professionnels, comme on en a eu quelques-uns cet après-midi, qui vont permettre aussi à certains de s'identifier et de se dire « pourquoi pas moi ?». Et je trouve que ce qui a été présenté tout à l'heure sur la VAE, évidemment, ça peut être extrêmement parlant pour les nombreux bénévoles qui sont aujourd'hui dans le mouvement sportif et qui peuvent du coup voir l'intérêt qu'il pourrait y avoir à s'inscrire dans ces démarches et finalement ne pas, comme on le fait trop souvent, un peu être dans une logique d'opposition entre le bénévolat et les professionnels, mais voir comment les bénévoles ont bien sûr des compétences qui peuvent, pourquoi pas, être valorisées dans un parcours professionnel. Et ça me paraît très important dans la structuration de notre champ. C'est aussi le modèle qui a été initié par les clubs sportifs S'engage et du Stade vers l'emploi. Donc je rappelle l'objectif qui nous a été assigné par la ministre ce matin, multiplier par 5 les emplois d'insertion au cours du quinquennat. On voit bien qu'on a là aussi des outils qui ont fait leurs preuves et qui ne demandent qu'à se déployer. Et puis des solutions de mutualisation d'emploi et de soutien à la fonction employeur. Là aussi, on a déjà des choses qui existent dans le paysage. Je pense à ce qui est fait avec les associations, professions sport, loisirs, etc., et qui méritent évidemment de pouvoir être déployés. Alors, tous ces engagements en faveur de la qualité des emplois et de son efficacité doivent être aussi mis en perspective à la hauteur de l'investissement que nous réalisons là aussi collectivement en matière de formation. Ça a été dit, je ne reprends pas les chiffres que Thierry Teboul a évoqués tout à l'heure. On a des financements importants qui sont aujourd'hui mobilisés par les opérateurs de compétences, selon la politique de formation qui est établie bien sûr par les branches professionnelles. Ce sont aussi des moyens très importants qui sont mobilisés par les régions, dont je rappelle qu'elles ont compétence en matière de formation professionnelle et qu'elles sont particulièrement mobilisées dans les filières métiers en tension. Et dans le cadre des poursuites des travaux de notre Grenelle, nous aurons à nous assurer d'une action la plus intégrée possible entre les différents financements qui sont aujourd'hui mobilisés. Et puis, je pense à tous les dispositifs de soutien à l'emploi qui ont été présentés ce matin, que ce soit les dispositifs que je vais qualifier de droit commun, parce que c'est le ministère du Travail qui les initie, qui les met en œuvre, que ce soit dans le cadre de l'apprentissage,
que ce soit par l'Agence nationale du sport, et là on est sur des dispositifs qui sont plutôt pilotés par le secteur du sport, du ministère lui-même avec un dispositif comme Sésame qui est déployé par nos services au niveau territorial, auquel il faudrait ajouter les emplois associatifs qui sont soutenus au-delà des régions, parfois par d'autres, et même souvent par d'autres niveaux de collectivités. Donc on a bien un travail aussi à réaliser en termes de recherche de complémentarité, d'efficacité de ces différentes sources de financement. Et on ne passera pas à côté, je pense, dès 2023, d'un travail d'évaluation conjointe de nos dispositifs pour en mesurer à la fois la complémentarité et justifier de leur maintien et peut-être de leur amendement pour être plus efficace. Alors, pour terminer, je ne vais pas revenir sur la feuille de route telle qu'elle nous a été tracée par la ministre en fin de matinée qui vous avait été présentée. Et bien sûr, ça sera partagé dans des documents qui seront communiqués. 5 axes, 15 mesures, avec un objectif partagé par le ministre du Travail et la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, objectif 100 000 emplois dans le champ du sport d'ici la fin du quinquennat. On a quelques dispositifs qui vont être des dispositifs très structurants sur lesquels on va devoir être très mobilisé à partir de maintenant jusqu'à fin 2024. Ce que je voudrais dire, c'est que, bien sûr, ça a été dit, c'est le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques qui a été à l'initiative de ce Grenelle et qui va être évidemment responsable de la coordination de l'ensemble de ces chantiers. Mais à l'instar de ce qui a été fait pour préparer ce Grenelle, le ministère ne va pas pouvoir travailler tout seul. Et on voit bien que dans un certain nombre de mesures, il y a des mesures qui vont être pilotées directement par le ministère chargé des sports et d'autres qui vont relever des acteurs que vous êtes au sein de cette assemblée, des mesures qui vont être pilotées directement par le ministère du Travail, par l'INJEP, par les branches professionnelles, par Diagoriente, etc. Et donc on va avoir à mettre tout ça en musique dans les semaines qui viennent avec un objectif qui va être qu'avant l'été, on partage ce plan d'action, y compris avec, en précisant à chaque fois qui est le pilote de la mesure, qui sont les partenaires avec lesquels le pilote va devoir œuvrer, mais aussi avec le calendrier, puisque la ministre a commencé à dresser un certain nombre de pistes en termes de dates clés sur certains chantiers. Donc il va falloir que ça, on le partage dans un document commun, puisque ça sera désormais notre plan d'action sur lequel nous aurons évidemment à apporter des éléments de bilan au fil de l'eau. Alors pour terminer, peut-être quelques mots. Alors, il est plutôt de coutume de commencer par rappeler les enjeux et puis ensuite de décliner par rapport aux objectifs qu'on se fixe et à la feuille de route et au plan d'action. Eh bien, je vais peut-être rappeler les enjeux dans ma, non pas ma conclusion encore une fois, mais dans la fin de mon intervention. Pour dire que je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, ça a été dit par pratiquement tous les intervenants, c'est évidemment un moment extrêmement important parce que c'est aussi un moment de positionnement du champ du sport, on l'a dit, à sa juste place dans la société, mais aussi comme un élément de la vie des uns et des autres, à la fois parce que c'est un objet, je l'ai dit tout à l'heure, de loisirs, je ne reviens pas sur tout ce que tout le monde sait ici, mais aussi parce que c'est un vecteur de développement économique, vecteur de développement territorial, etc. Je pourrais compléter. Le travail que nous avons engagé là, c'est inscrit résolument dans un cadre interministériel, et ça a été dit, il ne pouvait pas en être autrement pour qu'on aboutisse à des évolutions structurelles d'envergure que nous portons aujourd'hui et au-delà de l'interministérialité avec l'ensemble des acteurs du sport. Quand on parle de l'ensemble des acteurs du sport, ils étaient tous représentés aujourd'hui. Je
pense évidemment singulièrement au sujet des branches professionnelles, mais du monde économique au sens large. Et encore une fois, en tant que directrice des sports, je ne pouvais pas ne pas les citer explicitement, le mouvement sportif et les fédérations sportives. Pourquoi je le dis comme ça? C'est que ça a été dit à la première table ronde, développer l'emploi, un emploi de qualité, etc., ça invite à repositionner cette question de l'emploi sportif dans un environnement, ça a été dit, économique et social porteur, je paraphrase, mais aussi dans un modèle managérial qui s'inscrit dans un cadre de métier en tension, où on a besoin aujourd'hui de montrer en quoi s'engager dans les métiers du sport, eh bien, c'est quelque chose de positif et qui va permettre de construire un parcours professionnel avec des perspectives, avec de la promotion sociale, etc. Et pas simplement avec un discours autour de la fragilité, de la précarité, etc. Des métiers en tension, on en a cité quelques-uns, mais je crois qu'on peut dire aujourd'hui que le sport peut se prévaloir de nombreux atouts. Et c'est en cela que je voudrais terminer pour rappeler ces enjeux auxquels au ministère on est évidemment très attaché, puisque vous savez que la formation, la certification et l'emploi sont des compétences qui sont, je dirais, presque consubstantielles à l'existence même de ce ministère. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur la formation? Pourquoi est-ce qu'on travaille sur l'emploi? C'est parce qu'on sait que c'est une des conditions pour développer des activités physiques et sportives pour tous, sur l'ensemble du territoire, à la fois des activités de loisirs jusqu'au plus haut niveau de performance. Et c'est évidemment ce qui anime nombre des personnels de ce ministère, qu'ils soient aujourd'hui dans les services déconcentrés, dans les établissements ou comme conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en matière d'encadrement des activités physiques et sportives, on parle de profession réglementée avec deux objectifs qui sont d'assurer la sécurité des pratiquants, mais aussi une qualité pédagogique de l'acte d'enseignement qui est dispensé. Ça me paraît extrêmement important de le rappeler, et l'enjeu majeur pour nous, c'est quand même de réaffirmer que la France doit pouvoir aussi continuer de se prévaloir de la qualité de sa formation, de ses éducateurs sportifs et de ses entraîneurs jusqu'au plus haut niveau de performance. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tous à très bientôt. Merci, Madame Bourdet. Merci à tous nos participants, nos intervenants. Merci à ceux qui ont préparé ce Grenelle. Alors, retenez qu'un bilan du Grenelle sera fait à l'occasion de la première édition de la Semaine des métiers du sport qui se déroulera en novembre. Donc, on compte sur votre mobilisation pour les travaux à venir. Merci d'avoir assisté au premier Grenelle de l'emploi et des métiers du sport organisé par le ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, ici ou à distance. Merci de m'avoir fait confiance et à très vite.